Disons tout de suite, il y a une sanction très simple qui répond au mot BDS et qui figure tout simplement dans l'accord d'association commerciale entre l'Union européenne et Israël. Il est grand temps que cet accord soit dénoncé, car il est devenu illégitime, illégal, à cause des violations des droits de l'homme auxquelles Israël s'est livré. Le rapport Goldstone est là-dessus incontrovertible. Par conséquent, il est grand temps que l'Union européenne, c'est-à-dire la Commission, le Parlement a déjà essayé de le faire, mais la Commission jusqu'ici a résisté. Il faut que la Commission dise notre rapport commercial qui permet justement des produits qui passent et qui passent aussi depuis les colonies, que ce rapport d'association soit dénoncé, et à cela nous pourrions y arriver à une condition, c'est que la personne qui devrait être assise sur cette chaise, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, soit amené à partager là-dessus notre position très ferme. Donc nous avons déjà une chose à faire quand nous serons ensemble au Conseil régional, c'est de faire pression sur nos camarades socialistes pour qu'ils soient un peu moins lâches qu'ils l'ont été au cours de ces dernières années. Je suis un vieux socialiste et un ami et admirateur de Martine Aubry, dont je pense beaucoup de bien, mais les socialistes dans leur ensemble au cours de ces dernières années ont été, en ce qui concerne les questions israélo-palestiniennes, extrêmement peu courageux. Nous, Europe Écologie, nous soutenons la réalité du courage. Il faut donner courage à nos amis socialistes pour qu'ils reconnaissent qu'il est grand temps d'imposer des sanctions. Ça, c'est au plan de la France, c'est au plan de l'Europe, c'est au plan du Parlement européen, mais aussi de la Commission. Madame Ashton, qui est en ce moment en Israël, je pense va en revenir, comme tous ceux qui vont là-bas, avec le sentiment qu'il est maintenant urgent de faire quelque chose. Espérons que cela nous permettra de ne pas continuer à dire « Oui, ce serait bien le BDS, mais oui, mais c'est pas possible parce que tout le monde n'est pas encore d'accord, etc. » Il faut dépasser ça maintenant, et c'est ce à quoi, je pense, nous travaillerons ensemble. Et je suis sûr que M. Cossé sera d'accord pour dire qu'il est temps que ces sanctions indispensables soient enfin appliquées.